Alors, on va commencer avec ma coiffure. Donc, je vais faire ce qu'on appelle 4 grosses vanilles, c'est-à-dire pardon, des tresses à deux brins. Et ensuite, je vais les attacher derrière en chignon. Voilà ce que ça donne. J'aime bien cette coiffure, ça change d'habitude puisque je porte très souvent mes cheveux détachés. Et là, pour le coup, pour une soirée, ça peut être sympa de les porter en chignon. On va ensuite passer aux soins du visage. Donc, je commence par appliquer ma crème contour des yeux de La Roche-Posay. Je vais ensuite appliquer sur mon visage ma crème de jour du moment. Je vais appliquer ensuite un baume à lèvres car j'ai les lèvres très très sèches. On passe ensuite au maquillage. Donc je commence par poser ma base à paupières. Pour ce maquillage, vous aurez besoin d'un pinceau plat et d'un pinceau estompeur, ainsi que deux fards, le fard MAC Mythology et un autre fard, le fard Sketch, toujours de chez MAC. Donc je vais commencer par appliquer mon premier fard Mythologie de MAC. Vous pouvez le remplacer par un fard qui est un peu doré bronze. Donc je l'applique sur les deux tiers de ma paupière mobile. Je vais venir ensuite appliquer mon deuxième fard, le fard Sketch. Vous pouvez très bien le remplacer par un fard prune assez foncé. Et je viens l'appliquer en coin externe et je fais un outer V. Je vais venir ensuite appliquer un crayon prune de chez Kiko en ras de cils inférieur. Et je vais venir poudrer mon crayon avec mon fard Sketch. Je vais venir ensuite appliquer mon gel liner de Jamais Maybelline. Je vais faire un trait assez fin, assez discret. On passe ensuite au teint, donc j'applique d'abord ma base de chez Make Up For Ever, la All Matte, sur tout mon visage. Ensuite, je viens poser mon fond de teint, c'est le Studio Fix Fluid de chez MAC, sur tout mon visage avec le pinceau Real Technique, c'est le Buffing Brush. Je viens poudrer mon teint avec la poudre de MAC, la Studio Fix. Je la pose avec un pinceau poudre de chez Sigma. Je viens ensuite poser mon bronzer de chez NARS en teinte Casino pour réchauffer mon teint. Je viens ensuite poser un blush minéral de chez MAC, c'est le Lovejoy. Je l'adore parce qu'il est très. C'est un rose assez lumineux. Je vais venir ensuite redessiner mes sourcils, étape essentielle de mon maquillage.
ensuite poser les lumières sur mon visage. Donc j'utilise la poudre extra dimension de chez MAC, qui est une édition limitée en teinte superbe. Je vais venir ensuite appliquer mon tout nouveau mascara, qui est d'ailleurs très bien au passage, je l'aime beaucoup. Il fait pas de paquet, il fait des très très jolis cils. Ensuite, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez MAC dans la gamme Cream Sheen par Regan. C'est un très joli nude rosé. Donc voilà ce que donne le maquillage, j'espère que ça vous plaira. On passe ensuite aux ongles. Donc j'ai posé un vernis de chez Opi que j'adore, un très joli nude. Et en accent nail, j'ai posé un de mes vernis préférés chez Kiko, que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps. Donc voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup l'association de ces deux vernis. On passe ensuite à ma tenue. Donc en haut, je vais porter le chemisier que je me suis acheté en fin de solde. C'est un. Alors à la caméra, il est en beige, mais il est rose poudré en fait, et tout le dos est en dentelle. Je vais y associer un legging noir. Et je porterai mes petits escarpins cloutés achetés au mois de décembre. Et je les aime beaucoup, ils sont très très jolis. On passe aux accessoires, donc je porterai des boucles d'oreilles en forme de cœur, et oui c'est la Saint-Valentin, ma montre Michael Kors, que j'adore, mon bracelet Pandora avec un petit cœur aussi, décidément c'est la Saint-Valentin, donc profitons-en, mettons des petits cœurs partout, et un collier que j'ai acheté il y a quelques années que j'adore. Je porterai ce parfum-ci que mon mari apprécie énormément, et voilà ce que ça donne. Et mon bracelet. Je vous montre une dernière fois ce que donne le maquillage avec le visage entier. J'espère que ça vous plaira. Gros bisous les filles et bonne Saint-Valentin.